Marc, Massacre des Innocents, votre prochain livre, votre prochain roman, sort le 3 janvier. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Alors, c'est l'histoire d'un naufrage qui s'est passé. Je me suis inspiré d'un fait historique qui s'est passé au XVIIe siècle, et c'est le naufrage du navire marchand le Batavia, qui s'était abîmé au large de l'Australie. Et il y avait eu des survivants à ce naufrage. Il y avait eu à peu près 250 survivants qui s'étaient retrouvés sur des îlots. Et dans ce huis clos s'est jouée une mini-guerre civile, je dirais. Parce que l'intendant adjoint du navire a appliqué une politique de terreur sur les survivants et il a massacré, il est rentré dans une folie meurtrière absolument invraisemblable et il a massacré une centaine de personnes sur la durée de temps où les gens ont été naufragés sur ces îlots. Alors, comment on se positionne quand on est romancier entre la fiction et la réalité? Et c'était toute la difficulté, c'était de se positionner justement par rapport à la réalité, c'était mettre la bonne distance pour que l'histoire soit mon histoire, celle que j'invente moi et celle que j'écris moi, et pas faire une redite de tous les faits historiques qui s'étaient déroulés. Et je crois que c'est surtout les personnages qui m'ont emporté. Quand j'ai commencé à construire mes personnages, j'ai compris qu'en fait l'histoire était secondaire. L'histoire réelle était secondaire. C'était moi qui devais raconter une histoire avec mon ressenti en suivant les traces de ces personnages qui se sont finalement imposés à ma plume à un moment donné. Il y a des scènes qui font penser à des tableaux. Il y a une force iconique terrible, une force d'évocation terrible. Et la langue, elle est devenue beaucoup plus presque dense, ou en tout cas, elle est foisonnante. Il m'a fallu explorer des registres linguistiques que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire déjà tout ce qui était lié à la navigation, au bateau, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a fallu fouiller, faire des recherches pour savoir comment on détaillait les différents éléments d'un navire. Et puis aussi tout ce qui pouvait être daté lié à la peinture, tous ces mécanismes linguistiques qu'on ne connaît pas forcément quand on écrit au départ, quoi. Et après, ça donne une forme de peinture au final. Voilà, la langue, elle colle à l'esthétique globale de l'œuvre. Alors, Massacre des Innocents, ça se passe au XVIIe siècle, ça n'a plus aucun lien avec la Corse. Est-ce que, comme on a pu parler pour Picasso de la période bleue, de la période rose, on pourra parler pour Marc Biancarelli de la période corse, une période qui aujourd'hui est définitivement révolue? Sûrement. Sûrement qu'il se passe quelque chose qui a un mécanisme à mon sens naturel, c'est que sur la Corse, je pense avoir fait le tour des thématiques, en tout cas de ce que je pouvais moi en dire. Je vois pas trop ce que je pourrais aujourd'hui, à l'heure actuelle, rajouter. J'ai toujours voulu explorer cet imaginaire-là, mais avant j'avais des choses à boucler, à régler par rapport à ce que j'avais envie de créer sur la Corse. Et aujourd'hui, j'en éprouve pas le besoin, tout simplement. Merci beaucoup, Marc. Merci.